Ouah, wow, ça faisait longtemps. Bah c'est sûr que j'arrive. Allez, allez. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Montpellier. J'ai reçu un message de Anne-Christine. Pour ceux qui se rappellent, c'est la personne qui m'a hébergé à Hong Kong, quand on était bloqué à Hong Kong. Et du coup là elle m'a dit je suis sur Montpellier et tout, je suis dans la maison de ma belle-mère. Du coup si vous voulez passer manger et tout, on s'est dit bah ouais carrément, avec grand plaisir. Et regardez ce qu'il y a. Une petite piscine. Et du coup on a levé la tête. Et avec Romain et Flo, bah on a directement vu le saut quoi. Il est magnifique, il va faire trop kiffer clairement. C'est mieux que le montage à l'appart ou pas? En ce moment ouais, le montage c'est dur en ce moment. Mais sinon j'aime bien le montage quand même. Mais là le film... Wouh, il y a beaucoup de rush. C'est un sacré paquet. C'est un sacré bestiau. Mais ça va être un très très beau film par contre. Bon, le saut est quand même bien sketchy, on saute ouais. Du balcon et on est au-dessus aussi d'un buisson. Ça passe au saut. Attends, faut attendre Nicole. Ah oui, faut attendre Nicole. Nicole, c'est la maîtresse des lieux. Nicole, est-ce que tu pourras faire le saut avant moi? Parce que moi, je suis pas trop rassuré. Ah oh oui, comme mais ça, tu me tiens, hein. Tu me tiens. Tu nous fais confiance? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon. On se met debout là-dessus et on doit sauter là-bas. Il y a quand même un bon gap. Hein. Bon, moi, c'est clairement ça que je kiffe dans faire des vidéos, c'est que évidemment j'aime bien sauter, mais j'aime bien raconter l'histoire qu'il y a derrière chaque saut. Et là l'histoire elle me plaît beaucoup parce que ça part d'une histoire quand même pas ouf. Tout ce qui nous est arrivé à Hong Kong, c'était bien stressant et en fait on a rencontré plein de gens super cool qui nous ont aidés, hyper généreux, chaleureux. Et là au final on est à Montpellier, on revoit Anne-Christine et on va faire un sale saut dans la piscine de Nicole. Il y a un petit truc dont j'ai pas parlé, c'est que le fond n'est pas un fou. Oui, effectivement. Il y a 2 mètres. Il faut qu'on vise la petite grille blanche, qu'on passe le parasol, le buisson, ouais, et le petit mur. Et le petit mur. Et après, normalement c'est sur les fesses. Et je vous ai sorti ça au cas où je serais trop bleu que j'y pensais pas. Ça c'est si on arrive à sauter. Non, non, si moi je suis dans les vents de vous avoir vu, complètement évanoui, vous pouvez partir avec ça. Et Nicole, elle nous rigole. C'est Nicole qui nous filme. Je vais vous avoir un souvenir. Ah, c'est à la tablette. Ah, sur ma tablette, oui. Bon, on est en train de placer notre caméraman, Nicole. Ah ouais, là c'est pas mal. Oui, je vois mieux. Il me faut un check de Nicole pour me donner de la force. Ah oui. Allez. Là c'est bon, là c'est sûr que j'arrive. Let's go. Ce qui est bien c'est que ça n'a aucun sens. Et à chaque fois que ça n'a aucun sens, ça me fait vraiment plaisir. Bah nickel. Mais on a bien mangé quand même chez Nicole là. Je sens que j'ai pas toute ma détente tu vois. Ok Nicole, ça rec ou quoi? Ok, Nicole est sûr. Nicole elle est prête. 2, 1, oh Nicole. Start it up. C'est cool. Comme ça. Ah, c'était impressionnant. Moi, je suis admirative. J'ai eu un bout de doigt. Merci Nicole. Pas filmé Nicole. J'ai coupé, là tu vois, j'ai fait. Et c'est là je vous vois et j'ai dû appuyer et couper au moment où vous alliez sauter. Ah oui, mais toi tu préfères tout ce qu'il y a avant le saut, c'est ça. Nicole, toi t'es libre dans la semaine pour caméraman. Pour nous filmer. Pas trop le choix hein. Mais oui. Il est propre le bas. Salut. Ciao. On a quitté la fournaise de Montpellier et là on est en Suisse, on va rejoindre les gars qui taffaient là-bas, il y avait Louis et Jérém. C'est leur dernier jour de taf. Là depuis qu'on est rentré d'Asie en fait, eux ils ont fait que travailler en Suisse. Ils ont coffré un max pour les prochaines aventures. Et une fois qu'on les a chopés, direction l'Angleterre, on va aller à Londres au cinéma. Ça va faire tout drôle, on va se voir au ciné. C'est pas le film que nous on a tourné en Asie pendant 2 mois. C'est un projet en fait de Maximus Ward. En fait il avait rassemblé 9 teams à Bilbao l'été dernier. Et on avait chacun tourné une part. Et lui en fait il a tout récupéré. Et il a fait un énorme film de tout ça.
C'est nos bouches quand on est à Bilbao. Copains et Mathieu n'est pas là, il y a des trucs perso à faire. Bon là on arrive bientôt chez les gars, ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus. Oh là là, ouais. longtemps. Wesh les abonnés. Ça va quoi? Ça va Lumina? Il est là Lumina. Ouais, wow, ça faisait longtemps. Voilà. C'est pas réel, on est dans la vidéo là. Là ça va laver des assiettes, servir des gens. Et après c'est finito, on se barre à Londres. Franchement ça va mettre une baffe parce que ça fait 3 mois on est bloqué ici. Et là les gars ils viennent avec le van et ils nous prennent et hop ça part. Et ça il faut remercier les abonnés parce que c'est grâce à vous en vrai. Suite à la vidéo où on explique le problème qu'on a eu à Hong Kong, bah, on a eu plein de propositions de taf dans les commentaires. Et ça, ça a régalé. Du coup c'est pour ça qu'on a pu trouver un logement ici à Neuchâtel. On a trouvé un taf en quelques jours. C'est grâce à Théo, dans un premier temps, qui nous a contacté et qui nous a dit « Venez à la maison les gars, venez en Suisse !» Venez, venez, abusé. Voilà. Des fois, on peut pas trop se poser de questions parce que, putain, on est bien accueillis et en plus, on a un bon petit taf pour 3 mois, donc c'est parfait. Qu'est-ce que je vous sers? Une crêpe sucre cannelle. Allez, avec... c'est combien? Ah, on est en Suisse, hein. 6 francs la crêpe. Hein. Ah, ça me fait marrer. Hein. Ils sont tellement pas dans leur élément. Déjà, on vous l'a prêté, on est sympa. 3 mois, c'était dur sans lui. Hein. C'est les dernières assiettes. Il en reste combien les assiettes? Salut Wizzy. Et ouais, voilà, dernier jour. Regarde la casserole. Là on arrive à la fin, mais normalement il y a plein d'assiettes. Il faut les ranger, en plus c'est tout bouillant quand ça sort de la machine. Il y a même des petites frites là. Bah oui on bosse, hein. Y en a qui bossent. Hein. C'était bien cet été. Ouais. En vrai c'était cool, enfin c'était du taf, j'ai hâte de repartir quand même. Merci quand même le restaurant Paradis Plage, c'était sympa, on a bien kiffé nos petits 3 mois. Hein? Merci, ouais, je pas de bêtises. Ouais c'est la fin. C'est la fin. Dernière fois que je franchis cette porte. Alors Louis, on est où là? On est en Angleterre. Demain, on a la première du film Next Gen. Avec il y aura tout le monde, il y aura une grosse jam, ça va être incroyable. Nous, on est un petit peu tous morts, on est que 3, mais on est quand même content d'être là. On va voir un peu du monde, on va pas faire grand chose d'autre. Mais déjà, partager un peu un moment avec tout le monde, ça va être fou. C'est sur la route. Bah, de base, on était 4. Je sais pas si vous avez vu, il y avait Florian. Mais malheureusement, il s'est rendu compte qu'il avait pas son passeport. Du coup, bah, on l'a laissé à Calais, donc ça fait un peu chier, mais on va kiffer quand même, là, on va s'imprégner de la vibe. On va aller se trouver un petit coin sympa pour Dodo, parce qu'il est déjà bien tard. Tu vois,
Avec Jérémy et Louis là, on est arrivé, on est juste à côté du cinéma là. On va avoir trouvé un bon gros paquet de monde, hein. Toutes les teams qui étaient là à Bilbao normalement. Je sais pas trop, après peut-être il y aura la Star Wars, ça se trouve, je sais pas, c'est possible. Yes. Mais c'est un grand écho. Vous êtes contents d'être là les garçons? Ouais, là, putain, là on est là. Ça va être incroyable. Content Louis? Bah ouais, hein, c'est stylé en vrai, notre part elle était cool, je suis content. Ça fait plaisir de voir tout ça sur un grand écran, incroyable. Nous. Ça annonce du lourd parce que les gars, notre film à nous il va sortir et ça va être une dingue. Il y a un petit roof gap qu'on a repéré en marchant là. Je me suis dit, bah, pourquoi pas aller le faire, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des roof gaps, ça va faire bien plaisir, il a l'air kiffant. Un peu impact mais ça va le faire. Là sur l'élan, il y a un petit gap à faire, histoire d'avoir l'élan parfait et pouvoir ensuite envoyer le roof gap. Ça je le fais à l'endroit où il est le plus grand. Je fais un dernier élan et après j'y vais. Oh, le dernier pas, il est énorme. Le mec. Je suis prêt, Jérém. Ouais, je suis prêt. Magnifique. Wow, that sounded so fun. Ah, ça fait kiffer. Cette sensation de roof gap là, ça faisait longtemps. Let's go. Il y a pas mal de monde sur le spot. On va aller voir ça. J'ai envie de faire le dub shot là que moi il vient de faire, mais en fait je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai pas traîné depuis 3 mois. Normalement ça sonne comme une mauvaise idée, mais il y a la hype et tout, ça chauffe. On voit comment ? Je pense que ça va partir. Cette jam elle était vraiment folle. Putain, c'était incroyable, on a vu tellement de gens se lancer. Du coup on n'a pas beaucoup filmé, on a vachement profité pour discuter avec les gens par rapport à Next Gen et tout. Si comme nous vous êtes passionné de parcours pur, vous pouvez aller voir ce film. C'est 2h30 de parcours pur. Nous notre partie elle dure seulement 10 minutes. Mais franchement c'était stylé à tourner. L'image que vous avez vue là c'est extrait du projet Next Gen qu'on a tourné à Bilbao il y a un an. C'est pas les images de notre film qu'on a tourné en Asie. Ces images là elles sont bien au chaud dans les disques durs. Et en parlant de ça, dimanche prochain vous allez enfin pouvoir voir les premières images de cette dinguerie avec le trailer. Et ensuite vous pourrez prendre vos places pour les premières qui seront à Rennes, à Paris et à Londres. C'est sur ces magnifiques informations que je vous laisse. On se dit à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Ciao !